Eh bien, je ne vous ai pas menti, puisque sur ce plateau, vous allez même voir le roi soleil en personne. Après avoir été découvert dans la comédie musicale qui a triomphé pendant 2 ans, il s'est imposé en tant qu'auteur, compositeur, interprète sur son premier album solo, Là où je pars. Déjà disque de platine, juste pour les hits de diamant, il nous chante Être à la hauteur, qui était classé à la 86e place. Emmanuel Moir, son Altesse. Toujours ordinaire, j'en connais déjà le cours, le poids d'un parcours nécessaire que je dois faire. Parce qu'on n'a jamais le choix de ces murs de sa terre qui nous enferment à l'étroit, l'étroit d'une grandeur solitaire. Merci. Oh ben les filles. Alors, Emmanuel, qu'est-ce que ça fait d'être dans la peau de ce monarque pendant 2 ans avec un tel succès? Surtout que ça a été 2 ans de bonheur avec voilà, un public
toujours au rendez-vous et avec autant de chaleur. Donc ça... La surprise, en fait, du succès avec Sœur Voix Soleil, quoi. Étonné d'un tel succès, deux ans comme ça à fond, c'est sûr. Il y avait eu beaucoup de projets qui se sont créés et que ça n'avait pas forcément fait ce succès-là. Donc j'étais très hésitant au début. Et en fait, ça a tout de suite enchaîné avec Être à la hauteur, mon essentiel, l'album. Et on s'est dit, on va avoir un accueil de fou. Et on a eu un accueil de fou. Et ça a duré deux ans. Donc merci à vous. Parce que... Voilà. D'ailleurs, ça continue, hein. Ça continue cet accueil que vous faites à Emmanuel après un concert complet en juin à Paris. Tu repars sur les routes de France à partir en fait de début octobre avec une escale le 12 et le 17 décembre au Casino de Paris, dis donc. Ça c'est la bonne nouvelle. Hein. Toutes petites villes parisiennes, enfin dates parisiennes, excusez-moi. Oui, ça ce sont les deux dates parisiennes et vous voyez défiler sur votre écran d'ailleurs les autres dates puisque Emmanuel est en tournée et vous pouvez les filer, j'en suis persuadé. Allez l'applaudir comme il se doit. Allez voir Emmanuel Moir en tournée dans toute la France. Allez vous régaler avec Emmanuel, avec sa voix. Merci beaucoup. Merci Emmanuel. Merci à toi, vraiment. Bravo. Alors...